Madame, Monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial Sila sur Média Haïtien. Journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington, D.C. Actualité à concernant le pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry remet démission li après un conseil des ministres. Il a présidé par vision conférence. Eh bien, Premier ministre a annoncé la quitter et pouvoir après conseil transition les mêmes. Alors, conseil présidentiel là li fin installé gouvernement là a prêté colle dans affaires courantes qui a liquidé pour le moment gagné et CARICOM bon côté pal qui opté pour un conseil présidentiel qui gagné 7 membres là dans 7 membres ça y a sorti dans différents partis politiques dans vie nationale là côté mesdames et messieurs gagné là en pile parler en pile qui déjà a fait après autorité CARICOM y a fin recevoir environ une douzaine proposition hier après le gagné gros rencontre qui était faite par visioconférence laissa acteur politique yo t'après le décider parler avec autorité CARICOM yo laissa tout t'après le gagné une décision finale qui prend pendant autorité CARICOM yo t'après le bail critère pour moun capable participer dans conseil présidentiel 7 membres ça cap gagné pour remplacer premier ministre Ariel Henry dans tête pays d'Haïti une critère c'est que selon CARICOM faut que moun ki pral gagner pour participer dans conseil là pas jam condamné malgré yo pas précisé si c'est en Haïti ou l'autre bord de l'eau faut que moun sa tout pas en affaire avec la justice ça veut dire qui pas inculpé dans aucun dossier louche dans pays d'Haïti mesdames et messieurs l'autre point dans critère faut ou même ou capable d'accord avec déploiement force multinationale là dans pays d'Haïti c'est ensemble des critères et cap permettre ou éligible pour participer dans conseil présidentiel ça cap gagner et divers membres et partis politiques différents là-dedans et parmi eux famille Lavalas cap gagner pour le voyer monde gagner aider red cap gagner tout pour voyer monde dans conseil présidentiel sept membres ça en attendant premier ministre Ariel Henry c'est lui-même cap liquider les affaires courantes dans pays d'Haïti toutefois premier ministre toujours dans campé loin dans pays Porto Rico sans que li pa di ki la rentré dans pays d'Haïti eh bien dans discours circonstance li mandé la paix et il dit peuple haïtien merci parce que li te joine une possibilité pour lui-même li te gérer pays pendant un petit bout de temps nous pral permettre tout temps des premier ministre dans VOA créole mais faut que nous di tout gagné Moïse Jean-Charles pour Petit Dessalines à Guy Philippe pour Réveil National pour Souveraineté d'Haïti qui vraiment voyait jeter décision CARICOM prend comme quoi yo pata marché dans logique si là yo même qui vraiment t'est opté pour un conseil et présidentiel trois membres côté Moïse Jean-Charles Tessien même Jacques Réveil National pour te faire connait ces trois moun yon a sorti dans eh bien et coup de cassation à défaut de ça y a prend dans coup d'appel qui magistrat et Durin Junior avec madame Françoise Saint-Villiers et puis et Guy Philippe comme monde qui t'a pas fait partie conseil présidentiel ça après décision CARICOM là Moïse Jean-Charles avec Guy Philippe yo voyez jeté décision pour ta mettre un conseil sept membres pendant et CARICOM lui-même continuer à faire ingérence dans affaires pays d'Haïti selon monde ça yo nous pral inviter pour rester sous VOA créole pour plus de détails dans l'émission Sila VOA Creole. Cap dominé actualité concernant pays d'Haïti. Il a annoncé démission à tout retrait prochainement gouvernement l'a dirigé après une réunion d'urgence CARICOM dans Kingston, Jamaïque. CARICOM a annoncé formation un conseil présidentiel transition 7 membres dans environ 48 heures dans l'idée pour mettre sous pied un nouveau gouvernement dans pays d'Haïti. Et puis coalition parti Réveil National Guy Philippe avec Petit Dessalines Moïse Jean-Charles rejeté annonce formation conseil présidentiel CARICOM. Et puis ministère affaires étrangères Kenya annoncé pays a décidé camper sous projet pour envoyer policiers dans pays d'Haïti. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous pral développer pour dans un petit moment merci d'être choisi VOA Creole pour informer vous go nouvelle là depuis hier soir. Tard hier soir, c'est Premier ministre haïtien Ariel Henry qui a annoncé non seulement démission, mais retrait prochainement au gouvernement l'a dirigé après une réunion d'urgence
CAICOM fait dans Kingston, Jamaïque. Nous avons sous place envoyé spécial, nous, Valérie Saint-Louis, qui va dire nous plus. VOA Creole toujours dans Kingston, capitale pays Jamaïque. Côté que hier lundi 11 mars 2024, ça, eh bien, représentant pays membre CARICOM, t'es réuni en urgence ensemble avec partenaires internationaux, qui c'est pays Brésil, pays Canada, pays la France, Mexique, Nations Unies et États-Unis, pour discuter sous crise multidimensionnelle ça, qui persistait en Haïti. Réunion ça qui était déroulée pendant plus que 8 heures de temps dans l'hôtel ça qui est le Pegasus Hotel dans le centre-ville capitale là, t'es gagné là-dedans une série de discussions qui était inclus et qui était facilité par groupe personnalité imminente CARICOM là. Ensemble avec un paquet d'acteurs, tant que parti politique haïtien, communauté religieuse, secteur privé, diaspora et société civile là, qui ont même participé par vidéoconférence dans la réunion ça. Discussion qui était finie tant à souhait, t'es arrivé joindre un arrangement gouvernance transition qui t'a supposé faire route pour une transition pacifique avec un nouveau pouvoir et puis un plan d'action pour être capable de joindre la paix avec sécurité et puis tracer route pour faire élection libre et juste dans le pays d'Haïti. C'était vraiment une réunion à très haut niveau qui était faite comme nous te ouais. Nous te ouais présence par exemple plusieurs gros délégations internationales, secrétaire d'État américain notamment Anthony Blinken avec plusieurs autres gros chabrak politiques. N'a pas signalé parmi eux diplomate Brian Andrew Nichols qui c'est assistant secrétaire d'État américain pour affaires hémisphériques l'ouest là. Barbara Feinstein qui lui-même c'est assistant député secrétaire d'État américain et qui était chita bon côté diplomate Patrick Hubert Gaspard, qui lui-même était directeur des affaires politiques dans Maison Blanche sous administration président Obama, et il était servi comme ambassadeur pour pays Afrique du Sud, avec plusieurs autres membres de délégation internationale. Donc nous avons, et juste pour nous avoir une idée, nous avons, c'est une réunion à haut niveau. Dans le finissement de la réunion haut niveau, ça, acteurs politiques ont été arrivés d'accord sous création d'un conseil présidentiel. Un conseil présidentiel transition qui a 7 membres là-dedans, qui ont droit pour voter, et 2 membres qui n'ont même pas le droit de vote. 7 membres ça qui ont droit pour voter, yo pral gagner yo représentant dans chaque groupe ça yo. Collectif 21 décembre. Aidé, Red, Lavalas, Montana, Petite Dessaline et secteur privé a. Et membres qui ont même pas le droit pour voter, yo pral gagner représentant pa yo qui a sorti dans société civile là ak yon nan membre qui a sorti dans communauté religieuse. Conseil ali même pral exercer autorité présidentielle li de façon spécifique pendant transition. Mais pour faire partie conseil présidentiel transition ça ou pas gen droit gen aucune accusation sous dos ou soit te condamné dans n'importe qui juridiction dans pays ou bien en bas sanction Nations Unies ou bien sanction les États-Unis. Conseil présidentiel transition ça pral choisir rapidement un premier ministre et provisoire et ensemble yo pral gen pour yo nommer un conseil ministre inclusif et puis créer un conseil électoral, un conseil électoral provisoire CEPA pour yo même pour avancer puis à faire élection dans pays. N'a souligné secrétaire d'État américain lui-même, Anthony Blinken, qui a co-présidé réunion CARICOM ça, a fait déclaration pour dire que c'est le peuple haïtien seulement qui est capable et c'est seulement le peuple haïtien qui a dû décider sur l'avenir. Mais la communauté internationale là capable d'aider et comme ça, il a augmenté de 1 million de dollars pour force multinationale là, ça qui mettait total et aide ça à 3 millions de dollars pour force là. Il a dit tout que les États-Unis a bail un lot 33 millions de dollars pour question humanitaire dans le pays d'Haïti. Bon côté pas le premier ministre canadien Justin Trudeau qui lui-même était intervenu par téléphone pour appel téléphone, il a remercié communauté CARICOM là avec tout l'autre acteur politique. Il a dit que Canada pourra continuer à supporter pays d'Haïti. Il remercie tout premier ministre Ariel Henry. Pays Mexique lui-même qui était prend la parole pendant la réunion dit que il y a plus passé 43 000 réfugiés haïtiens qui dans pays et pays Mexique a géré et hébergé 43 000 réfugiés haïtiens ça yo. Et il dit tout que y a bayo tout support possible et souhaiter que problème migration eh ben il capable résoudre avec nouveau engagement politique acteur haïtien. Et finalement président chairman à la tête pays CARICOM yo qui c'est monsieur Mohamed Ifran Ali t'a annoncé que yo t'a recevoir et yo t'a prend note de démission premier ministre Ariel Henry qui lui-même t'a bayo un discours à la nation pour te remettre pouvoir pour faciliter une transition. C'est comme ça que la réunion s'est finie très tard hier soir et nous-mêmes VOA Creole nous sommes sous place. Dans ce moment-là, nous toujours Kingston, Jamaïque. Et dans ma tête, nous, dans ce moment-là, côté Premier ministre Ariel Henry, il est toujours Porto Rico d'après information que nous joignons. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis Kingston, dans le pays Jamaïque.
Merci Valerio Saint-Louis qui s'est envoyé spécial nous et n'a suivi de très près pour nous tout ça qui a passé dans Jamaïque et dans Porto Rico. T'as cool et Valerio Sodil gagné les États-Unis qui étaient très présents dans go réunion ça surtout et avec Anthony Blinken, c'est secrétaire d'État américain et département d'État fait connaître que États-Unis lui-même lui en contact serré avec Patrick Boisvert, Michel Patrick Boisvert qui s'est ministre des Finances et pays d'Haïti et qui c'est tout et premier ministre Haï parce que le premier ministre Ariel Henry a tap quitté pays c'est lui t'a quitté comme premier ministre Haï il dit que lui-même tout lui a essayé faire le maximum pour le capable permettre que gon transition qui fait gon passage de pouvoir qui fait selon les normes. Donc, nous avons parlé de États-Unis, c'est dans un moment tout, dans la même réunion d'urgence, ça que États-Unis, eh bien, parler de assistance financière que la BAI, mission sécurité pour Haïti a. Jean-Robert Philippe, dis-nous plus. Oui, effectivement, Jacqueline, le secrétaire d'État américain, tu as profité de moment pour montrer l'engagement que les États-Unis prennent pour le dossier Haïti à des déplacements pour participer dans ce moment-là. Mais tout annonce que le fait dans le moment-là, tout, et que support, il dit, États-Unis a continué à bail pour force sécurité multinationale, ça qui est pour aller en Haïti. Il a annoncé que le ministère de la Défense a doublé l'argent que la BAI pour force ça. Mais il y a une autre question qui posait tout, parce que jusqu'à présent, depuis lundi, les nouvelles qui sont dans les Nations Unies font qu'on a seulement moins que 11 millions de dollars qui sont déjà dans le fonds fiduciaire des Nations Unies, alors que le fonds est dépassé par les États-Unis, déjà annoncé les mêmes, c'est 300 millions de dollars pour bénéficier que la BAI. Et Canada a annoncé la BAI tout. Donc, question à poser, qui est comme ça à débloquer pour que la force multinationale soit capable en Haïti à aller de police nationale là? I'm announcing today that the United States Department of Defense is doubling its approved support for the mission. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé pendant le sommet Jamaïque sur Haïti, le ministère de la Défense a doublé l'assistance pour mission sécurité multinationale pour Haïti, sorti 100 millions de dollars pour le passer à 200 millions de dollars. Mission sera pour aller des polices nationales à la bataille contre Gangyo qui contrôle PIFO Capital. Ça fait un total 300 millions de dollars support États-Unis à Haïti. Numéro 1 département d'État a annoncé tout une assistance humanitaire additionnelle pour peuple haïtien, sans oublier une autre assistance 30 3 millions de dollars pour supporter santé, population et sécurité alimentaire. Jusqu'à lundi passé, il y a seulement moins que 11 millions de dollars qui déposaient dans le fonds fiduciaire d'après une porte-parole des Nations Unies. This is a critical point in the history of the Caribbean. The situation in Haiti. Président Guyana, Mohamed Irfan Ali, qui a présidé CARICOM, déclaré que c'est un point critique dans l'histoire caraïbe. La situation du pays d'Haïti a fait pays membres demander action urgente pour qu'on y ait un peuple haïtien à souffrir. Il n'est pas capable de satisfaire besoin de base pendant qu'il a mouru sans pitié. Il y a plus haïtiens qui mourent pendant 4 premiers mois 2024 que quantité de monde qui mourent dans la guerre en Ukraine. Bon, je parle pour le ministre jamaïcain Andrew Holness qui était sous table ensemble avec l'État américain Anthony Blinken avec le président CARICOM a déclaré: We are deeply distressed that it is already too late for too many who have lost far too much. Situation en Haïti a bien pire mal pour le tourner. Une guerre civile, je dis, c'est une réalité. Pendant ce temps, la classe politique là avec ceux des civils là pas grand pile temps devant yo pour choisir représentant yo, il a voyé dans conseil présidentiel là. Porte-parole gang Améo Jimmy Cherizier alias Barbecue qui a déclaré il pas ta reconnaître une solution CARICOM pour réagir sous dernier développement crise politique là. Souterrain premier ministre provisoire Patrick Boisvert mandé force de l'ordre pour utiliser tout moyen nécessaire pour faire respecter décret sur état d'urgence avec couvre-feu dans le département de l'Ouest là pour limiter les dégâts gang armé capable commettre. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Oui, il y a une réaction, en pile réaction qui sortit depuis hier soir. Il y a un parti politique qui est divisé sous mise en place conseil présidentiel 7 membres après annonce démission Premier ministre Ariel Henry. Yves Manuel, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Il a continué expédier affaires courantes jusqu'à ce qu'il désigne un Premier ministre
et un gouvernement. Docteur Ariel Ri fait déclaration ça bien tard dans la soirée lundi 11 mars 2024 là. Pour certains dirigeants parti politique, premier ministre démissionnaire, c'est une page tournée. Guy Philippe fait qu'on est CARICOM en aucun cas pas qu'à vindiquer est-ce qu'à diriger peuple haïtien. Décision CARICOM n'a pas décision panne. CARICOM n'a aucune autorité légale pour décider qui est-ce qui va venir diriger Haïti. Il n'y a aucune légitimité pour lui décider pour nous. C'est nous qui vous décidez. Et seul gens pour nous forcer à accepter, c'est nous mobiliser. L'idée unir l'un bon côté pâle dit qu'il prend acte de démission gouvernement Ariel Henry. Bon, moi, je pense que son premier ministre qui était doit démissionner depuis le départ au Prince, il n'a pas besoin d'aller faire dans le déshonneur. Pas oublier que unir et demander premier ministre pour le faire un geste patriotique. Pour le démissionner, pour le capable de débloquer la crise là, et ceci depuis à l'approche 7 février 2024. Notez ouais, que le pas réussi dans la mission, il passait plus de 30 mois sous pouvoir, pas grand effet. Notez pensé que le tapis plus bon, que il était organisé des missions, il était démissionné pour organiser une rencontre avec les forces vives du pays, pour chercher une phase de transition, t'as capable mieux. Malheureusement, il choisit faire dans des honneurs. Mais nous prenons acte de démission ça et nous espérons à partir de ce moment gagner un nouveau chapitre qui va l'ouvrir. Alors que pour ancien ministre des Travaux publics, Joséis Nader, Dr Ariel Henry pas doit quitter la communauté internationale là, humilier le consa. Joséis Nader a un gros doute sur la capacité du parti politique haïtien pour joindre en tant tout bon vrai pour mettre campé un conseil présidentiel avec 7 membres. Nous prenons acte de démission hein, de, pour nous pas dire pousser d'oldi yo, et puis nous même nous suivre. Ils ont choisi au bon bagage dans tête, ils ont pondu. Comme nous tous aimons pouvoir, mais pouvoir finalement nous avons bagage pouvoir là. N'a pas souligné parti politique pas fin mettre d'accord sur mise en place conseil présidentiel avec 7 membres nan. Petite Dessaline, réveil de Guy Philippe avec parti gré déjà dit au pas dans conseil présidentiel ça. Pourtant, CARICOM t'a rejoint dans 24 heures toutes nos personnalités qui peuvent faire partie de nouvelles escriptis. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Donc, pratiquement, on a suspense ou formation commission conseil présidentiel 7 membres. Et puis, l'autre réaction encore concernant la réunion Kingston-Jamaïque, là, Massado Ville m'a parlé à quelques militants dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince. Démission Ariel Henry n'a pas étonné parce que tout le monde connaît Ariel Henry, c'était un monde qui était démissionnaire. Parce que depuis 7 février 2024, Ariel Henry était déjà pas existé comme chef ou bien comme monde qui est dans tête l'État. Je dis à Ariel Henry, il fait le parler sous forme parce que Blanc était des bagailles par la régler. Il était qui des bagailles là aux gens pour que lui-même soit capable de bénéficier des plans que lui-même a gagné, qu'il a gagné pour le mettre en branle. Mais je dis à nous-mêmes, l'essentiel, peuple haïtien et. Et pas pour bagaille pas nous, ça. Pas oublier, bataille pas nous, nous-mêmes. Moi-même, en soi, original, Petro Challenger. C'est son bataille changement système. Changement système, ça sont un maille qui pète dans la chaîne en attendant. Mais toute la chaîne, tout ça qui n'est pas bon, nous devons retirer pour que Haïti soit capable de rejoindre ça le besoin. Par rapport avec le pays qui est en crise politique, et je ne veux pas dire, il remet des missions, nous-mêmes, nous sommes toujours là. Mais sauf que, n'a dit tout le monde qui là qui des partis politiques en font table ronde pour nous voir qui est-ce qu'on a qualifié pour nous dire mais qui est-ce n'a metté comment table comprendre pour sept monde pour pas prendre sept familles pour mettre en dévalé national pour conseil mes amis côté là l'état ici pas jeune comme ça pour voir tout le monde ça nous sommes des familles yo des madame yo des petites je dis à côté jeune tout comme ça pour payer. Je dis à nous-mêmes, au niveau des champs de masse, nous-mêmes qui avons battu dans le pays, le collectif qui a frivolté, nous-mêmes dans le Petro Challenger populaire, nous disons nous-mêmes, nous avons besoin de conseils de trois personnes. Nous n'avons pas besoin plus que ça avec un premier ministre pour nous capables de diriger le pays. Je dis à moi pour me dire aux États-Unis, si tu as voulu, prenons un monde, pour crédit, flamper le pays, il faut y aller pour la cassation. Pas oublier, tout le leader politique qui a bataillé là, tout a bataillé pour un seul bagaille. Pour le directeur général, pour le premier ministre, pour le président. Je dis à la demande de presser, il faut qu'il y ait un coup de cassation pour prendre un monde honnête, un monde créatif, pour le bas la population. Je dis à la demande de cacher, il y a plus de monde là, où il y a un bataille qui dit qu'il faut qu'il y ait un réalé, il faut qu'il y ait un réalé tombé. C'est des poissons. Voilà, c'était quelques militants, quelques monde sous zone champ de masse là que
Correspondant nous, Massa Deauville, m'a parlé à Kyo et a été réagi sous réunion Kingston, Jamaïque là. Pour un pile monde, et annonce que Premier ministre Ariel Henry fait hier soir, eh bien, le temps qu'on tourne dans l'histoire politique et pays d'Haïti. Et Sandra Lemaire pour essayer ouais avec nous, Ariel Henry, avec expérience politique, ça que le faire, qui pratiquement arrivé dans le fait. La Maison-Blanche exprimait satisfaction li ak rencontre qui était déroulée dans la Jamaïque lundi. Jake Sullivan, c'est conseiller la Maison-Blanche sous affaire qui gagne rapport à sécurité nationale. Mais ultimately, decisions about Haiti should be made by the Haitian people. That's why we. Il dit c'est peuple haïtien qui doit prendre décision par rapport à peuple haïtien. C'est pour ça nous t'ai appuyé aux rencontres dans pays Jamaïque que partie prenante haïtienne nous t'ai dirigé. C'est pas États-Unis qui t'ai dirigé. C'est pas nous-mêmes qui dicter ça qui est passé. C'est pas nous pour décider qui est-ce qui doit diriger Haïti. C'est peuple haïtien qui doit décider. Nous fiers appuyer l'effort qui t'ai déroulé hier. Et là, nous gardons démission Premier ministre Henry. Pas un bagaille États-Unis exige le fait, mais c'est lui-même qui prend décision. Hein? C'est un bagaille nous appuyer parce que lui prend en considération puis bon intérêt pays d'Haïti à intérêt peuple haïtien. And seeing what Prime Minister Henry did, not because of a U.S. diktat, a decision he made, is something we support because we think it does take into account the best interests of Haiti and the Haitian people. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Bon, on est capable de voir que ces positions, les États-Unis, concernant la crise là, concernant la démission du Premier ministre Ariel Henry, et tant que nous te dit, dans le programme, les États-Unis étaient en contact serré avec Michel Patrick Boisvert, qui lui-même est ministre des Finances, et qui a joué le rôle du Premier ministre AI. Pendant que le Premier ministre Ariel Henry trouvait à l'étranger. L'autre point dans l'actualité, concernant toujours le pays d'Haïti, représentant deux structures politiques dans le département nord-est, réagit après dernière recommandation CARICOM. Jodley Junior Saint-Ville, gain détail depuis Fort Liberté. Dans une interview yo bay VOA Creole, jeudi mardi 12 mars 2024 là, coordonnateur des districts politiques dans département nord-est là, voyage était bien loin. Dernière recommandation CARICOM fait pour remplacer gouvernement Ariel Henry. Pour Dionel Germain, coordonnateur initiative Patriote Marien, recommandation ça, c'est une façon pour renforcer ça le système basé sous CA. Mais une fois encore, international là, particulièrement les États-Unis d'Amérique, descend pantalon. Par contre, international là, particulièrement les États-Unis d'Amérique, mettez CARICOM devant pour copier forme. Nous t'avons fait des marches là, mais l'on a regardé dans le fond, c'est une autre bagaille qu'a fait pour continuer à renforcer système basé sous CA pour qu'il y ait des statu quo au détriment des peuples haïtiens, c'est ça qu'a fait là. Pour Waldeck Maslin, coordonnateur nord-est parti Rassemblement démocrate national progressiste, RDNP, dernière décision CARICOM vient mettre plus de division dans les temps haïtiens. Parce que imagine-toi bien, les acteurs politiques, comment comprendre qu'on sont peuple souverain, et puis pour ces CARICOM qui dit que vini ensemble avec ça qu'on gagne comme proposition, et puis tout n'est que plongé vrai que accepté. Mes amis, là nous connaît que comment nous-mêmes petit peuple noir ça, yo simé poivre grand monde longtemps connaît ça veut dire poivre et yo simé poivre dans mitan nous. Et bien qu'on y a là pour dire mon comme ça que on va installer un conseil présidentiel qui a gagné et 7 membres là-dedans. Poser aux questions qui l'autre alternative yo gagné pour résoudre crise là, yon après l'autre, yo te répondre comme ça. Et je pense que jodi an l'état plus que important pour que nous reconnaître que et crise là son crise haïtien que lié, li important que c'est pour ces haïtiens qui résout. Et bien proposition pour nous faire avec pour mettre bout avec crise là, il pas venir avec déjà côté que pour toute force vive nation en chita pour nous joindre une solution à l'haïtienne sans que nous pas quitter personne de côté pour tout haïtien chita sur une table. À l'exception des gangs avec trafiquants de drogue, Mounsaïo a nous dit place yo, c'est dans la prison ou bien dans le cimetière qu'il y a. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Et puis, réaction continue à tomber sous situation pays d'Haïti, notamment gagné une crise humanitaire qui attire attention et organisation mondiale. On a parlé de Nations Unies. Gentil Augustin Junior, suivez-nous ces abonnés.
Haïti besoin yon réponse humanitaire solide. D'après directeur programme alimentaire mondial pour Haïti, jodi mardi 12 mars 2024 là, nan yon appel vidéo ak quelques journalistes qui te rassemblé nan quartier général Nations Unies États-Unis. Crise critique ak sécurité ça a transformé nan yon crise humanitaire. Mais li se tout yon crise n'ap goumen pour vivre. Problème insécurité qui la cause en pile province déconnectée ak capitale là, avion pa ka voler. Port maritime yo pa ka fonctionné, la gen population haïtienne nan yon gros crise humanitaire. Côté prix produits première nécessité yo a monté pied bois. Prix manje yo a augmenté, revenu yo a diminué et puis en même temps population a déplacé. Ça vient aggraver vulnérabilité qui était déjà existé. Donc ça concerne en pile. Jean-Martin Bauer, directeur programme humanitaire mondial pour Haïti, te continue pour 10 journalistes. Programme humanitaire en Haïti yo pas gain en pile financement. Plan réponse humanitaire Nations Unies pour Haïti, c'est seulement 2%. C'est pas un hasard, c'est 2% financement yé jodi a. Nous besoin plus ressources pour rétablir stabilité, pour porter quelque espoir en Haïti. Oui, nous besoin sécurité, mais nous besoin tout une réponse humanitaire solide. Bon, te fait demande li, yon jou après secrétaire d'État américain Anthony Blinken, te dit les États-Unis pral contribuer ak yon lot 100 millions de dollars pour force sécurité multinationale Nations Unies a payé pour aider police haïtienne Goumen contre gang Ameyo ensemble ak 33 millions de dollars nan aide humanitaire. Pendant que ayer lundi 11 mars 2024 la nan aswe, premier ministre haïtien Ariel Henry te annonce l'ap démissionné yon fwa ke yon conseil transition temporaire nomme. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et tankou nou kapabwèl, c'est une situation très spéciale côté que programme nous gagne un focus sur ça qui a passé dans pays d'Haïti ou bien concerné pays d'Haïti. C'est comme ça ministère relations extérieures pays Kenya dit pays li campé sous projet de déploiement policier en Haïti. Serge Rodriguez gagne détail. Yon gros responsable dans le ministère des Affaires étrangères Kenya dit pays li décidé suspendre projet pour déployer policiers nation Afrique de l'Est en Haïti. Yon mission qui te joint soutien Nations Unies. États-Unis réagit immédiatement sous question 1, côté département d'État américain dit, li pa wè raison pour Kenya retarder des machines là. Porte-parole département d'État Matt Miller dit la presse, sans dire peut-être tout retard dans sens ça t'a ban nous sauté, mais nous pas penser retard si là nécessaire. Gagne un changement radical après effondrement complet dans l'ordre public, mettez avec démission Premier ministre Ariel Henry, d'après sa secrétaire générale ministère Affaires étrangères Kori Shingoe, déclaré par Agence France Presse. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Ou toujours sous VOA Creole, et nous voulons saluer tout le monde qui suit nous, quelque soit plateforme, non, pendant que nous saluons un ami solide, nous, qui c'est Daniel Désir, qui a fêté anniversaire aujourd'hui. Donc nous dit bonne fête, nano. Service Creole là. Ou toujours sous VOA Creole, ou à suivre un programme en langue créole haïtien. Nous pourrons retourner dans le pays d'Haïti avec Mackinson Charles, lui-même qui a parlé nous d'une situation qui est très particulière, côté que un paquet haïtien qui a essayé d'entrer dans le pays Jamaïque. La parole dit nous plus. Dans une lettre qui est adressée à nouveau conseil municipal intérimaire Jérémien, autorité yo dans ville au Kaimandé pour recevoir un groupe qui gagne là-dedans 37 monde qui sorti dans département Grand'Anse, garde côte dérivé mettez main sous yo pendant yo t'a essayé entrer illégalement dans pays Jamaïque et mené yo tourner dans ville au Kaï samedi 9 mars 2024 là. Magistrat ville Jérémien madame Sylmata Pierre confirmé li recevra monde sa yo dans local commissariat Jérémien pendant lui-même l'a fait suivi. Nous avons une correspondance qui a adressé nous directement qui dit nous que vous voyez 37 personnes. Et ben nous, et comme moun qui moun Grand'Anse qui sont dans trois communes département, qui c'est Chambellan, Dame Marie et Anzeno, et trois communes ça qui gagne migrants ça qui sont là-dedans. Et bon, hier soir nous avons reçu à 10h du soir dans la cour commissariat, nous avons fait un enregistrement pour eux. Pour nous dire qui laisse yo parmi yo gagné cette femme là dedans qui parlait dans micro VOA créole
expliquer raison qui fait au trouver yo dans situation ça. J'ai pris un ruslan, juste m'était passé par là, mais c'est pas le même terrain. Même, on va regarder même, même quatre identifications on fait dans le pays ou pas joué. Depuis 2019, on fait un 4 contre Prince, juste m'a marché d'elle, m'a pas joué. Ouais, dans toute situation, juste m'a dit, nous avons pris le territoire jamaïcain, nous avons là, les quatre côtés, nous avons pris le pays. Moi, je vais vous conseiller, bon, je vais vous mettre à Nara. Je n'ai pas arrêté, je suis parti à Timonio, même parti de bois balanger, je n'ai pas de côté pour me arrêter. Je n'ai pas de problème pour me faire commerce, pour me faire Timonio, je suis créé là comme un grand groupe. Je suis ensemble avec papa, papa ou pas mon zone, dans toute partie, pour me faire des choses obligées. Pour Johan, ce n'est pas la première fois qu'il fait expérience là. Ok, mais qui ça qui motive pour non seulement te prendre la première fois, pour te prendre une deuxième fois? Parce que je ne vais pas prendre une série là, je ne vais pas faire. Et si tu as toute journée, même je ne vais pas faire un fil de salaire. Si tu as des gars, je vais retirer le col en fil de salaire, je ne vais pas faire un col. Côté de jeune âge, nous payons quand tu ça? Nous ne pouvons pas payer quand tu es. Nous mettons des moyens, nous gagnons ensemble, puis nous achetons gaz et puis nous mettons voile et puis nous prenons le côté là, mais à la gueule, nous vivons. Bon, il y a un dit dans le pays, je ne vais pas prendre une tête. Mais si tu es capable de prendre tes profits, oui. Si tu pas de travail, tu viens apprécier pour le travail. Mais si tu as un travail, tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de monde qui bouffe pour nous. Bon, même pas de travail, tu n'as pas de passeport. Passeport 20 000 dollars, 15 000 dollars. Pour toi, tu es comme ça. Nous sommes tous en avance. N'a pas rappelé, Haïti fait partie d'un pays qui bénéficie du programme Humanitaire Parole. Le gouvernement américain mettait sous pied. Dans l'idée pour capable réduire la quantité de monde qui a entré illégal dans le pays des États-Unis. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour VOA Creole. Et Mackinson Charles, hier nous avons eu un reportage de Jean-Ernst Eliska depuis Okaïs, toujours sous le même dossier. Donc, nous avons vu que c'est un programme qui focus sur le pays d'Haïti, surtout après l'annonce que le Premier ministre Ariel Henry fait pour dire que lui annoncer que l'a démissionné et le gouvernement tout et très prochainement a bien pour le ralé l'école. On extrait de déclaration ça, surtout sous annonce démissionnant. Le gouvernement a dirigé après le conseil des ministres à Souéa. Accepter pour mettre en place un conseil présidentiel de transition. Membre conseil SAO pour le choisir après une entente entre différents secteurs de la vie nationale. Le gouvernement que m'a dirigé a retiré l'école immédiatement après l'installation du conseil SAO. Il a continué à expédier affaires courantes jusqu'à ce que vous désigniez un premier ministre et un gouvernement. Donc c'était Premier ministre Ariel Henry dans une adresse préenregistrée qui passait hier soir bien tard. En attendant, eh bien, Patrick Boisvert, Michel Patrick Boisvert, qui c'est Premier ministre AIA, qui dit que eh bien, l'a assuré que gagnons un transfert fonction pouvoir qui fait dans l'ordre. C'est là nous mettez fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Nous remercions l'équipe technique qui est là, Jean-Marc Hervé Abela, et Fred Kaimit, et Gentil Augustin Junior, et moi-même, moi, c'est Jacques Lambélizère. Bonsoir et